Eh bien salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45, comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure sur D3 Become Human. Et nous en sommes à l'épisode 18, les amis, c'est fait, c'est incroyable, vous n'avez pas eu de vidéo ces derniers jours. Mais il s'est passé quelque chose d'un peu plus important, de beaucoup plus important, la France est championne du monde! Évidemment, on y a toujours cru, ça fait des mois que je le dis en live, sans trop de confiance non plus, hein, parce que forcément, il y a eu des équipes très, 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 très fortes, mais on a ramené la coupe et cette deuxième étoile, et c'est incroyable! Je suis juste bien, c'est le seul truc que j'ai à vous dire, on est parti pour la suite de notre aventure. Ok, alors Hank a l'air de se faire du souci au téléphone, où il attend quelque chose. On va y aller, on va voir un petit peu ce qui peut se passer. Hank, dis-moi tout, on est champion du monde, Hank. On a la deuxième étoile. Fais pas le con, Hank. Est-ce que tout va bien, lieutenant? Chris faisait une patrouille hier soir. Il s'est fait attaquer par une bande de déviants. Il a dit que c'est Marcus en personne qui l'a sauvé. Chris va bien? Ouais, il est secoué, mais toujours en vie. Bordel de merde. Incroyable, voilà pourquoi fallait pas les tuer. Comment avez-vous fait pour trouver Kamsky? Ok. Juste avant qu'il réponde à la question, j'aime bien avoir le suspense, un petit 3-6. Je me rappelle qu'on voyait ce mec partout dans les médias quand CyberLife s'est mis à vendre des androïdes. J'ai passé quelques appels, et voilà. Le boss. Bonjour. Je l'ai prénommé il y a pas longtemps. Je suis le lieutenant Hank Anderson de la police de Détroit. Je viens rendre visite à Monsieur Elijah Kamsky. Je vous en prie, entrez. Mais attendez, c'est la même. En tout cas, c'est le même modèle. Okay. C'est le même physique. Je reconnais ses yeux. Quand elle était triste, quand elle m'a demandé si j'étais son ami. Très bien. Je vais prévenir Elijah. Je vous en prie, faites comme chez vous. Elijah, c'est stylé quand même. Attendre l'androïde et point. Trois petits points. Point de suspension, bien évidemment. On va aller. Bah, elle m'a dit fais comme chez moi. Hein. Je fais exactement comme chez moi. J'analyse tout. J'en ai strictement rien à foutre. Amanda. Oh. Ok. Là, on rentre vraiment dans le vif du sujet. On va en savoir plus sur beaucoup plus de monde. Donc, Amanda et Elijah se connaissent. Moi, j'ai l'impression qu'Amanda est un androïde. Parce que normalement elle serait morte. C'est ce que je pense, c'est ce que je pense. Et donc elle gère toute la section des androïdes. Jolie. Et Elijah le créateur, je pense. C'est un RT-600. Le premier androïde CyberLife à réussir le test de Turing. Ok, on va tout analyser. Elijah Kamsky, très bien, fondateur des androïdes. Je t'ai pas demandé de me faire sa fiche technique, je te dis juste qu'elle est jolie. Okay. Belle baraque. Les androïdes représentent une affaire juteuse, on dirait. Il est magnifique, le tableau. Dis donc, tu vas rencontrer ton créateur, Connor? Qu'est-ce que ça te fait? Distant, impatient, indifférent. Je ne sais pas. Je vous dirai quand je le verrai. Ouais, parce qu'il a l'air... Parfois, je voudrais me retrouver face à mon créateur. J'aurais une ou deux réclamations à lui faire. Ok. On peut encore s'asseoir, attendre l'androïde. Il y a encore le livre. Alors, je crois que c'est donc... Je crois, non, je suis sûr que c'est le fondateur des androïdes. Il est beau gosse. Là, il est beau gosse, clairement. Il a pris sa plus belle pose. Frérot, hop, j'ai rien à te dire, je me casse. On va se rasseoir. On va se rasseoir parce que de toute façon, on ne peut pas se rasseoir. Ah!
commençais à mourir d'impatience, j'arrivais plus à me rasseoir. Elijah va vous recevoir. Vas-y, Hank. Hein. Je kiffe beaucoup le personnage de Hank, vraiment. Avec ses travers. What? What? Monsieur Kamsky! Un instant, je vous prie. Ok, donc en gros, ce modèle d'androïde, c'est son modèle parfait pour lui, physiquement. C'est incroyable! Ok, demandez des informations. Il est en train de se baigner dans le sang? Dans le sang des rageux? Fais ta longueur, frère! Il est mort. Ok, je sais pas du tout comment ça va se dérouler. Hop, elles ont été mutées, hein. Je suis le lieutenant Anderson. Voici Connor. Que puis-je faire pour vous, lieutenant ? Monsieur, nous enquêtons sur les déviants. Je sais que vous avez quitté Cyberlife il y a longtemps, mais j'espérais que vous pourriez éclairer notre lanterne. Les déviants. Ils sont fascinants, n'est-ce pas ? Des êtres parfaits, dotés d'une intelligence infinie, et maintenant du libre arbitre. Les machines nous sont tellement supérieures. La confrontation était inévitable. La plus grande invention de l'humanité menace de causer sa perte. Ironique, n'est-ce pas? Ok. Peut-être un virus? La déviance semble se répandre comme une sorte de virus. Vous pourriez peut-être nous éclairer là-dessus. Les idées sont des virus, elles se répandent comme les épidémies. Le désir d'être libre serait-il une maladie contagieuse? Écoutez, je suis pas venu pour parler philosophie. Les machines que vous avez créées préparent peut-être une révolution. Soit vous êtes en mesure de nous aider, soit on s'en va d'ici. Et toi, Connor? Dans quel camp es-tu? Neutre, sur la défensive ou direct? Sur la défensive pour l'instant avec lui. Ça ne me concerne pas, Monsieur Kamsky. Je veux simplement résoudre cette affaire. Eh bien, tu es programmé pour dire ça. Mais toi... Que désires-tu réellement? Sur la défensive, perturbé et neutre. Sur la défensive, toujours. Je suis désolé, mais je ne vois pas où vous voulez en venir. Chloé! J'imagine que vous connaissez le test de Turing. C'est une formalité. Une simple question d'algorithme et de puissance de calcul. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir si les machines sont capables d'empathie. J'appelle ça le test de Kamsky. C'est très simple, vous allez voir. Magnifique, n'est-ce pas? L'un des tout premiers modèles intelligents développés par CyberLife. La jeunesse et la beauté éternelle. Une fleur qui ne fanera jamais. Mais qu'est-elle réellement? Un morceau de plastique qui imite les humains? Ou un être vivant? Doté d'une âme. Ça va être à toi de répondre à cette question fascinante, Connor. Si tu détruis cette machine, je te dirai tout ce que je sais. Si tu l'épargnes, parce que tu estimes qu'elle est vivante, tu repartiras d'ici sans avoir rien appris. Oh putain. Ok, je crois qu'on a terminé. Viens, Connor, on y va. Désolé de vous avoir sorti de la piscine. Qu'est-ce qui est le plus important, Connor? Ton enquête ou la vie de cet androïde? Montre-nous qui tu es. Une machine obéissante?
ou un être vivant. Doté du libre arbitre. Ça suffit, Connor, on s'en va. Appuie sur la détente. Connor ! Non ! Et je te dirai tout ce que tu veux savoir. J'écoute Hank. Allez, bouge là, frère. Fascinant. Le dernier espoir de Cyberlife pour tenter de sauver l'humanité est lui-même un déviant. Je ne suis pas un déviant. Tu as préféré épargner une machine plutôt que d'accomplir ta mission. Tu as vu un être vivant dans cet androïde. Tu as fait preuve d'empathie. Une guerre se prépare, et tu vas devoir choisir ton camp. Vas-tu trahir ton propre peuple ou te rebeller contre tes créateurs? Qu'y a-t-il de pire que d'avoir à choisir entre deux camps? On s'en va d'ici. On verra le moment. Ah, au fait, j'intègre toujours une issue de secours dans mes programmes. Au cas où. Très intéressant. Pourquoi t'as pas tiré ? J'ai vu les yeux de cette fille. Et je n'ai pas pu. C'est tout. T'as toujours dit que tu ferais n'importe quoi pour accomplir ta mission. J'avais une chance d'apprendre quelque chose et tu l'as laissé filer. Oui, je sais ce que j'aurais dû faire, mais je n'ai pas pu. Je suis désolé. D'accord ? T'as peut-être fait le bon choix. Hank, je te kiffe! Je suis fan! J'irai toujours du côté de Hank, quoi qu'il arrive, c'est le frérot, c'est le sang de la veine, putain! Incroyable! Affinité, trophée de bronze. Juste ouf, Hank estime que Connor a pris la bonne décision, putain! On aurait pu en savoir plus, mais forcément, Hank, je pense qu'il aurait dit que j'ai pas pris la bonne décision. Si vraiment, de toute façon, il y a deux camps à choisir, pour être très honnête avec vous, je vais être, quoi qu'il arrive, du camp des humains. Et on va voir les statistiques. Et 86% des gens ont fait comme moi dans le monde. Ils ont fait le bon choix. Ils ont épargné Chloé à 86%. Donc, c'est plutôt cool en soi. Et stade des amis, 88%. Donc cette fois-ci, la roue tourne à tourner. Mes amis ont plus suivi la généralité comparé au reste du monde. On est parti pour la suite. Ah d'accord, je joue. Ok, très bien. Je croyais que c'était une cinématique. My bad. Très bien. Pas grand chose pour l'instant. Très belle vue. Attends, c'est quoi ça? Marcher jusqu'au bout. Ok. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose à faire? Profiter d'un moment de calme. On va méditer un peu. Ça fait du bien. Même pour un androïde, ça fait du bien. On va faire un peu de piano. Et pas debout. Parce qu'il y a une petite chaise. Chaise de pêcheur. Allez, 7ème symphonie. C'est moi qui joue là, hein, les gars. C'est parce que je tapote sur la manette. Si j'arrête, ça arrête. Hein. Alors évidemment, vous vous doutez bien que tout n'est pas aléatoire. Je pense que ce moment est important. Profitez d'un moment de calme. Comme mon maître l'a enseigné, qui est mort dès le début du jeu. C'était vraiment le sang d'ailleurs. L'art, c'est important. Il faut voir le monde de ses propres yeux, prendre ses propres décisions et ne pas copier. Je me demandais où t'étais. Besoin d'être seul, prendre l'air. Ok. Besoin de réfléchir. J'avais besoin de réfléchir. J'aime cet endroit. J'y viens souvent. J'ai l'impression d'être seule avec le monde. On a libéré des centaines d'androïdes et il en vient encore de toute la ville.
Ceux qui veulent être libres viennent à Jéricho. Les choses changent. T'as l'air préoccupé. Loyauté ? Tiens. Ils m'obéissent tous, ils me suivent sans poser de questions. Tout ce pouvoir est à la fois très grisant et effrayant. Tous les médias parlent de ce qu'on a fait la nuit dernière. Les humains sont terrifiés. Ils redoutent une guerre civile. Beaucoup de nos frères ont été brûlés en réponse à ce qui s'est passé. Les humains nous détestent. Ils ne nous libéreront jamais. Toujours être optimiste, je vous l'ai dit, du début jusqu'à la fin. Non, les humains ne sont pas tous pareils. Certains comprennent qu'ils ne peuvent pas nous empêcher de devenir libres. Tu ne nous as pas beaucoup parlé de toi depuis que tu es ici. Qu'est-ce que tu faisais avant de venir à Jéricho ? Dire la vérité, hein, c'est pas... Je m'occupais d'un vieil homme. C'était comme un père pour moi. Il m'a montré que les humains et les androïdes pouvaient vivre ensemble. Ah. Et toi, Norse ? Tu ne m'as jamais parlé de ton passé. Qu'est-ce que tu faisais avant ? Je veux pas en parler. Allez, on peut comprendre. On a tous des choses qu'on veut oublier. Mais il faut savoir d'où on vient pour comprendre qui on est. Norse, on se bat pour la même chose. On doit apprendre à se connaître pour se faire confiance. Je la mets bien là. Je la mets très très bien. J'étais rien. Juste une poupée programmée pour satisfaire les humains. Un jouet conçu pour leur donner du plaisir. Un jour, j'étais avec un client qui m'avait loué. Et tout à coup, j'ai réalisé que je pouvais plus endurer ça. Je l'ai étranglé et je me suis enfuie. Voilà, tu sais tout. J'aurais pas dû te le dire. Connectons-nous. J'ai vu tes souvenirs. Au la quoi? La maison de Karl, quand ils t'ont laissé pour mort dans son studio. J'ai vu tes souvenirs aussi. L'Eden Club, la mort de cet homme, c'était comme si j'étais là avec toi. Norse. Elle est in love, je vais encore devoir la friendzone, les gars. Ah, ça me fait mal. Est-ce que là... Qu'est-ce qu'il a? Mais il est vivant! Est-ce qu'un androïde peut être jaloux? C'est du suicide. On va tous se faire tuer. Je t'en prie, Marcus, tu peux encore changer d'avis. T'as pas l'air de comprendre. On va enfin leur montrer qui on est vraiment. Cet endroit va entrer dans la légende. Mais ils nous tueront sans hésiter. C'est un risque que je suis prêt à prendre si notre peuple y gagne sa liberté. Marcus, je t'en prie, fais pas ça. Ils comprendront. Nous allons les convaincre.
Je pense que c'est la seule solution. Oh là, qu'est-ce que vous voulez faire ? Rassembler notre peuple. Il y a des androïdes ici qui peuvent... Très bien, va falloir convertir. Nous aider. Plus on sera nombreux, plus notre message sera fort. Un maximum d'androïdes. Très très bien. Bon bah c'est parti. On va parler de raclette encore dans les oreilles. Tu es libre. Ok, lui c'est fait. On va essayer d'en louper aucun. Attendez. Zéro. Androïde dans les rangs, pardon. Se rendre dans la rue. Qu'est-ce que c'est que cette connerie là ? Normalement, il y a des androïdes. Ah, je suis bloqué. Excusez-moi, madame. Viens avec nous. Ok. Plus un. Mais pourquoi il est pas venu, là, Jean-Claude, derrière, là ? C'est quoi, ce délire ? Tu es éveillé, maintenant. Ah, 3. Ok, très très bien. Bon! Bloquer la rue! Attendez, c'est pas fini, je pense. Il y a encore des petites choses à faire très sympas, non? Lui, par exemple, on peut le convertir, bien sûr. Tu es libre. Allez, viens, frérot. Ok, il s'inquiète pas trop que les androïdes pètent les plombs et quittent l'école. Très bien. On va prendre notre... Oh, il y a beaucoup de monde là-bas. Tu es libre. Où est-ce que tu vas comme ça ? Reviens ici ! Convaincre. Laisse-le tranquille. Il a choisi la liberté. Ok. Très 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 étrange. Tu es libre. Ils vont alerter les flics, je pense. Ok, 6 androïdes. Je dois parer cette rue. Vous vous ressemblez tous, les gars. Ok, on est pas mal du tout. On a quelques androïdes. 7, c'est déjà cool. On va barrer tout ça. Il rigole zéro, hein. Lui, il bat en drift, hein. Ouvrir la bouche d'égout, très bien. Bon, tous les androïdes que j'ai convertis sont ici. Normalement, j'ai loupé personne hormis nos amis là. On va les convertir de ce pas. Tu n'as plus à leur obéir. Tu es libre. Ok, on est les boss. Ça, c'est pas mal, ça. Ça, c'est pas mal. On a qui d'autre ? Je crois qu'on n'a plus personne. J'ai pas envie de dire n'importe quoi. Ouvrir la bouche d'égout, chose qu'on va faire de ce pas. Est-ce que de l'autre côté de la rue... Non, il y a zéro androïde. C'est pas mal. Allez, on y va. Je sais pas qu'est-ce que ça va faire. Ok. Ah d'accord. Très bien. Très très bien. Je vais aller chercher les frérots. Convertir d'autres androïdes. Attends, je peux convertir à distance? C'est incroyable. Oh! Elle ressemble à Alice et Kara. Putain, je peux le faire à distance. Je suis un boss, on évolue. Ok. Je pense qu'il faut avancer. C'est parti, hein. Là, on commence à être des machines. Toi ! Oh, putain, juste en pointant du doigt. Les Deus ! Toi, là-bas ! Toi, toi ! Incroyable ! Jericho me kiffe, hein. Je la sens pas, je la sens pas. Ok, c'est parti. Je sais pas ce qui va se passer, mais je sens qu'on peut perdre Marcus sur un move. Sur un mauvais move. Par contre, ça fait peur parce qu'on dirait l'armée des morts un peu, les gars. Et il y a un petit peu de prestance, hein, quand vous marchez, s'il vous plaît. Ok, qu'est-ce qu'on va mettre sur l'écran ?
Très bien. Notre signe qu'on a choisi tout à l'heure. Signe de paix. Enfin, je le vois comme un signe de paix. Commence à y avoir du monde, le jeu n'assume pas. Plus 63 à convertir. J'ai montré du doigt, 63 convertis à quoi? Ok, vous deux là-haut. On est les boss, hein. On est clairement les boss. C'est une scène très intéressante, je trouve. Qu'est-ce que vous faites là? Ok, venez tous. Hey, 184 000. C'est un ordre. Merde. C'est pas vrai. J'ai pas envie de me faire tirer dessus. Hein. Fais pas le con. Fais pas le con, José, putain. Putain de bordel de merde. Centrale, ici la patrouille 457. Ok, on est les boss. On est clairement les boss. Je sais pas. Là, je pointe du doigt alors que j'appuie sur plus rien. C'est terminé, je suis en roue libre totale. Il défile. Ouais, il défile dans la rue. Qu'est-ce que j'en sais? Ok, je pense qu'on va garder. Je pense qu'on va garder cette phrase que je trouve belle. Nous sommes un peuple. Et que Dieu bénisse l'Amérique, les amis. Ça va chier, hein. Ça va chier. Bon, on est plus de 200, voire 300. Faites pas les cons, les gars. Ok. Je ferai pas de mal aux humains, par contre. Je vous le dis. Nous sommes venus pour manifester pacifiquement et dire aux humains que nous sommes des êtres vivants. Tout ce que nous voulons, c'est vivre libre. Ce rassemblement est illégal. Dispersez-vous immédiatement ou nous ouvrirons le feu. Nous ne voulons pas d'affrontement. Nous venons en paix. Et nous ne voulons aucun mal. Mais nous ne partirons pas d'ici avant d'avoir obtenu notre liberté. Je répète, ce rassemblement est illégal. Si vous ne vous dispersez pas immédiatement, nous ouvrirons le feu. Marcus, ils vont nous tuer. Il faut qu'on attaque. Non. On est plus nombreux, on peut les vaincre. Non. Si on attaque, ce sera la guerre. On doit leur montrer qu'on est pacifique, on reste où on est, même si ça signifie mourir ici. Si on meurt, ça n'aura servi à rien. Marcus, on doit partir maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. C'est votre dernière chance. Dispersez-vous. On se casse, les gars, on se casse. Ne pas bouger, se disperser, attaquer. On se casse. Ne tirez pas! Ne tirez pas! On s'en va. Affirmatif. Ils vont faire feu. À mon signal! Aïe! 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 Ah mais je peux satisfaire qu'une personne aussi. Viens, Marcus. On doit y aller. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. On peut satisfaire qu'une personne dans cette histoire. C'est pas grave, c'est pas grave. Je regrette pas, je regrette pas. Marche pour la liberté. Ça sert à rien, on va pas tous crever comme des connards, les gars. S'ils sont pas capables de comprendre, au moins on a fait le move, on a tenté un move. Et puis, on a vu ce que ça faisait. Marcus s'est enfui.
Statistiques du monde, 23% des gens se sont enfuis quand 44% des gens se sont sacrifiés et 19% des gens ont chargé. Peut-être que le sacrifice était une bonne idée. Voilà, je ne sais pas, c'est comme ça. Pour une fois, nous sommes dans la minorité. Et niveau ami, aussi étonnant soit-il, 22%, donc 1% de moins que les statistiques mondes. C'est comme ça, par contre, 55% de mes amis ont chargé. Bon, je pense pas que ça soit le meilleur move. On n'en sait rien. Franchement, je pense que si jamais on restait, à mon avis, on mourrait. Je voulais pas prendre le risque de voir des gens mourir, en fait. Je voulais pas prendre le risque aussi de tuer des humains. Donc, je pense que partir n'était pas une si mauvaise solution. Seule la suite du jeu nous le dira. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. On se retrouve très bientôt pour la suite. À bientôt tout le monde. Portez-vous bien. Ciao, ciao.